La place Évariste Gras à La Ciotat s'est transformée le samedi 14 septembre en île aux rêves, pour le plus grand plaisir du public. Pourquoi on est ici? Pour à nouveau réaffirmer notre attachement à ce cinéma qui a malheureusement fermé. On essaye de faire vivre cette place avec des choses conviviales, culturelles. Tout le monde puisse écrire un petit mot contre les violences, violences sexuelles, ouais. Et sexistes en général. Donc on est quand même là pour le cinéma Lumière. Et donc on va vous interpréter quelques petits extraits musicaux au casou, ce petit instrument de musique. Et donc on vous laisse deviner à chaque fois quel morceau de musique on interprète. Attention, c'est du haut vol. Hein. Quelques instants de recueillement. Si la mer était ton domaine, tu n'as jamais pu supporter les canoës. Tu en as trouvé sur ton chemin, à Venise, à Marseille, à Kiel, à Ajaccio, à Concarneau, et même ici, à La Ciotat. Et tu as commencé à prendre l'eau. C'est impossible de vivre éternellement à contre-courant. Avec lui. Toute ta vie, tu as essayé de nous faire rêver, mais cette mascarade n'aura été qu'un trop long cauchemar. Industrie de la croisière, la fin de ton existence permet aux nôtres de perdurer, et pour cela, nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix. C'était des matériaux de toute époque qui s'imbriquaient les uns dans les autres avec un je ne sais quoi de désinvolture qui faisait mouche. Et les jades s'accrochaient furieusement au milieu de soutènement des mines. Et les varechs se toquaient de marbre. Le mot est mort. Et rien n'annonce son retour. La surface du golfe n'a pas un pli. La mer est si plane qu'on y distingue ça et là l'impression des selles transparentes des moustiques qui flottent sur ce miroir et qui seules le ternissent à cette heure. Et la pub te le stimule, le Sniatum, antidoculant à dose tous les jours. Inoculé, inoculé, à force, il y a la peur du manque et le besoin d'avoir toujours plus qui s'installe. Inoculez-moi. Vendez-moi vos bidules, vachement nuls, ridicules, qui avancent quand je recule.
Arrêtez-moi, Arrêtez-le. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Donc, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, apprendre à nous contrôler. Car foule sentimentale, soif idéale, activée par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Bonjour, en lien avec l'actualité, on est sur l'île aux rêves et en parlant de rêves, vous avez peut-être entendu depuis quelques jours parler aux informations d'une femme qui s'appelle Gisèle Pénicaud et à qui on a volé ses rêves pour les transformer en cauchemars pendant plusieurs années. Donc il y a deux amis du collectif, la collectif Ciotaden, qui ont souhaité lire un texte pour qu'on participe à notre manière à cette journée. Toute soupçonnable, toute soupçonnée, tout objet d'enquête, même morte, toute forcée de prouver qu'elles sont bien crédibles. Des allumeuses qui déclenchent l'incendie dans lesquels elles périront. Comme il est bien rodé ce monologue des agresseurs, comme on le connaît, comme je le connais, comme tu le connais. Offrant des raisons à leurs gestes, des excuses, des explications. Alors, Cathy, elle était enfermée dans le... Et la fête continue autour de films projetés en plein air.